suis capable de dire tout. Tout comment? Un grand ne parle pas n'importe comment grand. Mais quand je vous dis tout, vous n'avez même pas l'idée. Ça veut dire que... On n'a pas d'idée comment grand. Est-ce que le petit est sorti avec un gars grand? Aujourd'hui, tu me poses la question. Grand, ce n'est pas alors moi qui te pose les questions. C'est les gens qui posent les questions. Je ne sais pas. Toi, tu dis quoi? Il y a des rumeurs qui disent que Céline Doumbé a baisé ta femme. Donc quand toi on te pose une question, toi tu manges. Vous savez, tous mes ennemis, ils doivent avoir des problèmes dans leur vie, tu vois. Ok, comment ça? Doumbé, c'est un méprisant. On le pose une question, le gars lui mange, lui au calme. Gars, Big Josh, non, le petit là est sauté avec ta ouate là. Je te le dis, cash, oui. C'est pas possible, ouais. Big, il dit que... Tu étais mon corps pour le gars. J'étais le manager et l'entraîneur de Céline Doumbé il y a 4 ans. Et Céline Doumbé, je lui ai présenté mon ex pour la diététique sportive. Mais grand, tu les as présentés pour qu'ils doivent faire le sport ensemble et manger ensemble. C'est normal, non? Est-ce qu'il y a eu un autre problème après? Il a couché avec. Hey! Hey! Yeah, grand. Je te laisse poser la question toi-même. Est-ce que c'est vrai? Ton ex, est-ce que c'est vrai? Non, je te le dis, cash, oui! Papa. Ils se sont séduits, se sont mis bien. Aïe, les jeunes avaient le mépris. Ah. Mais après, ils ont arrêté, non? C'est les avaient privé. Je suis un mec, comment on dit, cocu. Bah alors, qu'est-ce qu'on s'en parle, Youn? En vrai, dit, qu'est-ce qu'on s'en fout? Non, grand frère, moi, je perds le problème là. On ne s'en fout pas. Le petit, on le pose des questions, lui là, il mange, hein? Bon, ça va, même si tu manges, tu peux quand même donner quand même une raison qui t'a poussé à faire ça, petit frère. C'est simple. Tous mes ennemis sont des lopettes. Maintenant, c'est comme si j'ai engagé un problème qu'elle ne peut pas gérer. Bon, les gars, le genre de personnes, si on fait comment avec le genre de personnes, si? Vraiment, l'enfant, si. C'est les cafards et les insectes qui sont en train de parler dans ta tête comme ça, là. Il te faut payer ultrasonique si, de chez Famatel. Parce que quand tu auras au moins ça, non, tu ne vas plus avoir des raisonnements comme ça, là. Parce que quand tu arrives, non, tu branches seulement ça, tu auras les raisonnements qu'on pourra comprendre. Comment on te parle, tout le monde est dépassé par ta part des raisonnements, tu manges là-bas en parlant, hein? Il te faut le produit si. Tu as vu? Quand tu branches ça, non, il n'y a pas de moustique, il n'y a pas de cafard, il n'y a aucune souris qui passe dans ta tête. Parce qu'on te parle, tu fais comme si tu n'entends pas.